Alors, une solution tampon. Définition. Une solution tampon est une solution dont le pH varie peu. Dont le pH varie peu. Il y a le pH qui varie, mais d'une manière doucement, ça veut dire progressivement, mais pas rapide. Mais voilà. Donc, lors de l'addition modérée d'un acide ou d'une base, lors d'une dilution modérée. Donc là, le pH varie peu. Alors, ce qui va nous permettre de bien observer, bien sûr, la différence ou bien les changements au niveau de pH. Alors, préparation. Une solution tampon contient en proportion voisine l'acide et sa base conjuguée. Donc, la concentration de l'acide est à peu près la même que la concentration des bases. Donc, conséquence, pH est à peu près égal pKa. Et dans pH ou pKa, c'est le même saouine. Et là-dedans, solution tampon. هو المعياري الذي يمكننا من دراسة تغيرات pH أو لتحديد pH أو pour l'étalonnage des appareils de mesure. Alors, voilà un simple exercice. Voilà un simple exercice. Donc, réaction prépondérante. On considère une solution S d'acide éthanoïque CH3COH, acide faible, voilà, à 0,1 mol par litre. Premièrement, calculer le pH de la solution. Justifier les approximations effectuées au cours de ce calcul. Pour cette question, reportez-vous à votre cours, bien sûr. On mélange un volume V égale 10 millilitres de la solution S avec un volume V' d'une solution d'hydrogène de sodium Na plus plus HO au moins de concentration C' égale 0,1 mol par litre. 2. Hein? La réaction prépondérante est, voilà, il nous a donné la réaction. Voilà, c'est ça la réaction. Alors, justifier cette affirmation. Bien. Deuxièmement, de exprimer sa constante d'équilibre en fonction de Ka et Ke, puis calculer sa valeur. 2, 3, si V' égale à 5 ml, préciser, premièrement, les concentrations molaires des composés de la réaction prépondérante, les propriétés de la solution obtenue, le pH de cette solution. Voilà les données. On donne, par exemple, nous sommes à 25 degrés Celsius, température, pKe égale 14. 14, pKa du couple CH3COH, CH3COH- égale à 4,76. Alors, passons maintenant à la réponse. Premièrement, calculer le pH de la solution. Bien. Alors, solution de cet exercice, premièrement, on utilise bien sûr la relation pH égale 1 demi pKa moins log de C. Parce qu'il s'agit d'un acide faible. Voilà, égale à 2,88. En effet, la double condition pH est inférieure à pKa moins 1 et pH bien sûr est inférieur à 6,5 qui est vérifié. Alors, 2, 1, la réaction, voilà, et en même temps, justifier cette affirmation. Bien, donc la méthode qu'on est, voilà, petit rappel, on note sur l'axe des pKa ou des Ka, les couples acido-basiques
qui intervenant dans l'exercice. On souligne les acides et bases présents initialement, en quantité non négligeable, bien sûr. On met en évidence, bien sûr, l'acide le plus fort et la base la plus forte aussi. La réaction prépondérante est celle entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. Si on passe l'acide le plus fort et la base la plus forte, on parle au niveau de OH et H3O+. Donc la réaction prépondérante est donc la réaction entre CH3COH et bien sûr OH-. C'est l'acide faible et bien sûr HO-. C'est la même chose quand on parle de la réaction entre la base faible et l'acide fort. Presque la même chose, mais d'une manière différente. Alors, deuxièmement, 2,2. Alors, 2,2, exprimer la constante d'équilibre en fonction de Ka et Ke de cet acide. Alors, la constante, H2O étant le solvant, et voilà un schéma. Alors l'acide base et en même temps voilà, on a ici HO moins H2O, c'est H3CO moins, et ici c'est H3COOH, l'autre c'est H2O et H3O plus. Voilà, bien sûr, la réaction est toujours faite entre les deux, entre HO- et CH3COOH, qui va nous donner CH3COOH- et l'eau. Voilà, c'est la réaction commence par voilà, les deux qui va nous donner bien sûr H3H2O et CH3COO-. Voilà, ici c'est la croissance, c'est force croissante. Voilà. Dans d'autres côtés, c'est la décroissance bien sûr, ou la croissance, force croissante, c'est comme ça. Donc on passe de 0, 4,76 jusqu'à 14 au niveau du pH. Et pKa change aussi entre les deux variables. Voilà, c'est la réaction entre le couple acido-basique. Se passe comme ça. Voilà, on commence par ça. Avec interagit avec l'acide. Il va nous donner sa base et l'autre acide. Voilà. C'est étendu lié. Voilà, c'est il faut faire un coup d'œil au niveau de précédent, c'est-à-dire du cours. On a K0 égale la concentration de la base fois divisé par la concentration de CH3COOH multiplié par la concentration de HO-. Ça, c'est K0. C'est égal à la concentration de CH3COOH multiplié par la concentration de H3O+, divisé par CH3COOH, multiplié par Ke. Alors pourquoi on a mis ici Ke? Parce qu'on a multiplié ici la concentration de H3O+, en haut et en bas. Et en bas on aura Ke, en haut elle va rester H3O+. Mais et ça c'est quoi ça? Ça c'est, voilà, c'est Ka divisé par Ke. Alors K0 égale à 10 à la puissance moins 4,77 qui est Ka divisé par 10 à la puissance moins 14 qui nous donne à peu près 1,74 multiplié par 10 à la puissance 9. Alors passons maintenant 2,3. Alors, 2, 3, si V' égale à 5 millilitres, précisez les concentrations molaires
des composés de la réaction prépondérante. Ça veut dire qu'il faut chercher toutes les composantes qui se trouvent à l'intérieur de la solution et essayer de calculer sa concentration, bien sûr. Les propriétés de la solution obtenue. Quelles sont les propriétés et les caractéristiques de solution? Bien. Alors, tout ça, on va le mettre dans un tableau. La réaction, c'est CH3COOH plus OH- qui va nous donner CH3CO- plus H2O. Ça, on a trouvé ici. Alors, CH3CO, voilà, qui en interaction bien en réaction avec HO-, il va donner CH3CO- avec de l'eau. Voilà. Alors, la quantité initiale en mol, la quantité AT en fonction de epsilon ou de X, ou de, normalement ici on met X. Je dois l'OSFI ou je dois le TAKADOM. L'OSFI, je dois X. Mais ici on a mes epsilon. Quantité finale. Alors au départ, il faut signaler colon XE, WAFIR. Au départ, on a commencé par 10 à la puissance moins 3, la concentration de l'acide. Concentration, voilà, c'est la concentration de l'acide, 10 à la puissance 0,1 mol par litre, fois le volume. Voilà. Et 0,5 10 à la puissance moins 3 devient ça. Alors ici on mélange un volume V égale à 10 mol de la solution S avec un volume V' des solutions d'hydroxyde de sodium de concentration 0,1, voilà, c'est ça la concentration, fois le volume total. Volume total. Alors, 10 à la puissance moins 3, moins quelque chose, moins X, qui va donner. En même temps, ça aussi, on va retrancher une quantité. Voilà. Et ce qui va nous donner une quantité au niveau de CH3COO. Bon. Mais à la fin, c'est si on parle de X max. Voilà, on remplace epsilon par epsilon max. Et voilà, c'est ça le tableau d'avancement de cette réaction. Voilà, je vous remercie et à la prochaine avec d'autres solutions ou bien d'autres méthodes d'explication comment résoudre une question, un exercice. Ce document, on a trouvé ce document dans l'internet et aussi il y a des invités de notre chaîne qui nous envoient bien sûr beaucoup de séries pour donner une explication audio et vidéo comment faire, comment les choses passent. Voilà, je vous remercie encore et n'oubliez pas d'inscrire à notre chaîne pour recevoir de toutes les nouveautés et merci.